Les confiseries d'Alette, c'est un projet familial qui est né maintenant il y a 3 ans. Et l'objectif de cette confiserie artisanale, c'était de redécouvrir le goût du fruit. On a construit notre projet autour de valeurs comme la gourmandise, la qualité. Et on travaille donc soit avec des fruits issus de variétés locales, soit avec des fruits bio. Là, vous avez ici l'essentiel de notre matière première, le fruit. Dans nos pâtes de fruits, on met du fruit. Pas de pulpe, pas de colorant, pas d'arôme artificiel. Le fruit que l'on prend sera local, par exemple quand on travaille sur une pomme, on travaille souvent avec la rainette d'Armorique, ou bio, comme c'est le cas ici avec le cassis. Sachant que donc dans notre confiserie, on ne fait pas que des pâtes de fruits, on essaie aussi vraiment tous les ans de créer de nouveaux produits. C'est ainsi qu'on a mis au point par exemple la guimauve de fruits frais. C'est une guimauve, on prend un fruit bio, orange ou citron, et on met tout le fruit dedans. Donc vous avez le zeste qui donne à la fois l'amertume et la longueur en bouche, et la chair pour les essences. On a aussi créé récemment la pâte de légumes, qui est comme une pâte de fruits mais aux légumes pour l'apéritif, avec différents goûts comme tomate basilic, fenouil romarin, carotte poivre du Sichuan. Tous les ans, on essaye en fait d'apporter de l'originalité à nos confiseries. Et pour maîtriser encore plus les ingrédients que l'on incorpore dans notre confiserie, on va même pousser la démarche jusqu'à en produire une partie nous-mêmes. Nous vous invitons à venir découvrir nos produits à la fois en magasin ou sur les marchés ou les événements auxquels on participe, mais même dans notre atelier. N'hésitez pas à venir découvrir un peu comment on travaille, ça fait partie, cette démarche d'accueil fait partie de notre projet et de notre philosophie. Merci.